Et bonsoir les amis, alors je vous fais une vidéo rapide. Donc, voilà, parce qu'il faut que je reparte là, donc je suis passé, je repars. Voilà, j'ai pas mal de trucs à faire ce soir. Donc vidéo rapide pour l'arrivée Quinté Plus de ce vendredi 20 novembre 2020. Tout d'abord, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube secondaire du PMU qui est en description sous la vidéo et dans la section communauté de la chaîne. N'hésitez pas à aller voir le pronostic écrit du Quinté Plus, le pronostic Quinté Plus et l'affiche de mes bases du Quinté Plus de ce samedi 21 novembre qui est dans la section vidéo de la chaîne. Donc, l'arrivée le 8, 14, 6, 5, 1. Donc, mon tocard est deuxième et il fait 3,20 placés. Mon favori est troisième. Et il fait 4,10 placés. On remporte également un 2 sur 4 combiné qui fait 40,20. Un couplet gagnant à 26,70. On remporte également les 3 couplets placés qui font alors 13,65 plus 18,15 plus 25,80. Donc j'ai pas fait le compte. Malheureusement. Donc, si vous voulez le faire à ma place, faites-le. Alors, attendez. J'ai pas trop le temps, mais on va quand même essayer de le faire. Voilà. Alors, j'ai dit 23,65. 18,15 et 25,80. Ça nous donne alors 57,60 pour le tout, pour les trois couplets placés. Donc 57,60 pour trois fois le couplet placé. On a un multi en 7, un champ total qui nous fait 277,20. Un tiercé désordre en 4 chevaux qui nous fait 63,15. Et un quartet désordre qui nous fait 1340,69. En 8 chevaux. Donc voilà, j'espère que vous m'avez suivi sur ce coup-là. Donc n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube secondaire du PMU. N'hésitez pas à aller voir le pronostic Quinté Plus de ce samedi 21 novembre. Mettez un max de pouces bleus, abonnez-vous, partagez et on se revoit demain. Bye les amis, bonne soirée à tous.